Bien, bonjour Caroline, merci de venir témoigner de ce que tu as vécu avec mes programmes en ligne. Et donc, je vais te poser quelques questions si tu le veux bien. Donc déjà, comment est-ce que tu as découvert mes programmes ? Alors, j'ai découvert tes programmes lors du premier confinement, donc mars 2020. Parce que moi, je suis déjà dans le développement personnel et puis là, tous mes stages étaient arrêtés. J'ai dit « Ah mince, mais je ne peux plus faire mes stages, comment je vais faire ?» Et je suis aussi une bonne consommatrice de YouTube et je suis tombée sur tes vidéos. Et là, ça m'a complètement parlé d'associer, et c'est la première fois que je trouvais ça, d'associer le développement personnel avec le cheval et l'équitation. Et là, vraiment, ça m'a complètement parlé et j'ai plongé dedans, pas tout de suite, le temps que ça... C'est souvent ce qui m'arrive, ou sinon j'ai assez rapidement acheté le premier générateur que j'ai acheté, c'est le générateur de confiance, mais je l'ai laissé un temps, j'attends que de prêt à le démarrer. Et voilà, c'est comme ça a commencé. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Alors, tu as pris différents générateurs. Qu'est-ce que tu as pu faire grâce à ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi, donc, avec le générateur de confiance, et alors moi, je suis toujours, quand je fais un truc, je suis assez bonne élève. J'ai fait tout à la lettre. J'ai pris mon cheval, je suis allée dans la carrière parce que tu proposais, bah, si vous avez peur de sauter, j'ai mis la barre au sol. Et je savais qu'il allait sauter, mais c'était plutôt moi qui avais peur. Et donc, j'ai tout fait. J'étais là, ouais, super. Et aussi, je crois que c'est dans celui-là, j'ai pratiqué entraîner à l'auto-hypnose. J'ai vraiment tout fait en déroulé à la lettre. Et ça m'a vraiment... la sortie de quelques peurs et donner confiance. Oui, l'auto-hypnose, c'est le générateur de connexion. Surtout. Ah voilà, c'est celui que j'ai fait après alors. Oui, c'est plus confiance. Il y a une méditation par exemple dans confiance où il y a des exercices de respiration. Mais connexion, c'est l'auto-hypnose, plus l'auto-hypnose. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Donc ça ne fait pas très longtemps en fait. Oui. Et donc, est-ce que ça a changé des choses pour toi, en fait, dans ta perception du développement personnel ou de l'équitation, en fait, les deux ? Ben les deux, carrément. D'accord. Parce que je suis déjà dans le développement personnel, mais là, il y avait des choses que j'utilisais pas vraiment. Et là, c'était beaucoup plus clair, genre le Ho'oponopono, et aussi quand tu as parlé de Tony Robbins ou moi je suis beaucoup David Laroche et en fait ça, le fait que ça soit et que je puisse le mettre en pratique aussi avec le cheval, ça renforce, mais vraiment ça renforce. Et aussi comme je suis abonnée à Cflix, ça maintient dans la stimulation cérébrale. Toujours j'y pense, ah oui, il a dit comme ça, et je vais essayer. Et donc, je sais, ça, c'est très stimulant en fait. Ça me propose des exercices ou des recherches, ou même je pense que je lis plus, ça me donne plus envie de lire. Aussi dans mes choix, c'est beaucoup plus clair, le choix aussi bien avec mon cheval ou même dans ma vie. Ça c'est vraiment le fractionné, ça c'est vraiment à l'inverse de ce qui nous est enseigné. J'ai plutôt, moi, ma jument, quand elle monte en pression, ben, j'avais plutôt tendance à mettre plus de mouvement, et là au contraire c'est retrouver le calme, et toutes les deux, moi et ma jument, et ça change tout, ça change, oui, vraiment tout. Aussi bien, et ça change ma relation à ma jument, mais aussi bien aussi de pratiquer tout ce que tu nous as transmis sur la biomécanique ou les étirements ou l'ostéopathie, enfin, globale. Et ça, je commence à le faire petit à petit. Et je vois aussi que ma jument, elle se détend par, du fait que je la touche d'une certaine façon. Au début, elle ne se laissait pas faire, elle ne comprenait pas. Et là, ça change aussi notre lien à toutes les deux. Oui, les chevaux au début sont surpris, mais très vite, ils adorent les étirements, par exemple. C'est des choses qu'ils aiment beaucoup. Mais
au début, ils comprennent pas ce qu'on veut, ils sont méfiants. Mais quand ils ont compris ce que ça leur fait du bien, ils sont demandeurs après. Moi, les miens, ils le font tout seuls, en fait, les exercices. J'ai juste à leur proposer et ils le font. Je n'ai pas du tout à intervenir pour les aider, en fait. Ça leur fait plaisir. Ça fait partie de leur plaisir. Et aussi, ce que tu proposes dans l'équitation non violente, en fait, je ne me considère pas comme une violente, mais oui, j'ai fait des, par rapport à ton barème de l'équitation non violente, j'ai fait des choses violentes. On est tous violents, tout le monde est violent dans l'équitation, c'est impossible. Enfin, c'est être non violent, c'est un idéal, mais on a tous des formes de violence, mais souvent on ne s'en rend pas compte. Par exemple, sortir le cheval d'un pré, c'est de la violence, par exemple. Donc, et on s'en rend pas forcément compte. Le cheval fait un effort pour venir avec nous et on le reconnaît pas forcément, en fait. Donc, c'est bien qu'on puisse le reconnaître. Donc, c'est intéressant. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec les cavaliers qui vont nous regarder ? Moi, ce que je peux dire, ce que je peux proposer, c'est déjà aux personnes, il y a tellement de choses en accès libre et gratuit, d'aller regarder tes vidéos. Et puis, s'ils accrochent avec qui tu es, ce que tu proposes, d'aller plus loin et d'essayer un générateur qui leur parle. Et puis, voilà. D'accord. Tu m'as parlé du piaffé aussi, que tu as commencé. Oui. Et que, en fait, quand tu proposes de faire lever chaque patte, chaque membre, où j'y croyais pas trop, et puis j'ai essayé, j'étais vachement surprise. J'étais vachement surprise et ça aussi, ça renforce la relation avec ma jument parce que c'est assez étonnant. Alors après, là, donc, je rêve d'aller plus loin, je sais pas encore comment. Mais quand même dans le travail monté je sais aussi c'est pas que je me suis jamais ennuyée mais je sais plus clairement ce que je demande et avec les flexions de Boucher je sens que ma jument est en train de s'assouplir même si elle a déjà 18 ans et franchement c'est comme moi je pratique le yoga chaque matin un petit peu. Et c'est pareil pour le cheval. Et je vois que ça fonctionne. Très bien. Merci. Alors, est-ce que tu apprécies, tu m'as parlé un peu des CFLIX qui servent de mise à jour dans mes programmes. Et je crois que tu as bénéficié aussi d'un coaching téléphonique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comme je disais, CFLIX, ça maintient... le fait que ça stimule le cerveau, les idées. Avec le coaching aussi, il a suffi de quelques mots pour que je me rende compte. Il ne faut pas se mettre la barre trop haut. C'est la méthode des petits pas. Et qu'il faut commencer par une petite chose. Et puis une autre petite chose viendra. Et ainsi de suite. On se met de trop gros objectifs souvent. D'accord. Et que c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Très bien. Enfin, moi, j'ai pas d'objectif non plus de. Je suis pas compétitrice ou je suis pas. Donc, c'est. J'ai pas de pression de grosse pression à me mettre. Oui. Alors, justement, la prochaine séance CFLIX sera sûrement sur les objectifs. J'ai envie de parler de ça parce que ça me paraît important et c'est encore un sujet que j'ai très peu abordé. Donc, je pense qu'on va en parler dans un prochain CFLIX. Très bien, je te remercie. Et est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager ? Que tu aies le lien entre les personnes et les chevaux. Et aussi, tu nous fais rencontrer d'autres personnes qui sont dans ce lien-là, comme Sandrine Don, Francis Tuc, Dominique Bello. Et ça crée un réseau, là, et qu'on commence à être beaucoup plus en lien qu'autrefois, j'étais là à chercher toute seule avec mon cheval dans ma carrière et à me poser des questions qui restaient en suspens. Et tandis que là, il y a tellement de possibilités d'aller poser des questions ou même rien que tous ces gens qui mettent des vidéos, c'est vraiment super que c'est
étonnant. Je ne pensais pas que ça marcherait via l'écran, par Internet. Et bien, si, ça marche. De toute façon, on n'a pas trop le choix actuellement. Tout à fait. Il faut faire avec ce que l'on a. Mais c'est vrai que ça permet de créer une communauté. Et avec des gens, on n'est pas forcément au courant qu'il y a des gens qui pensent comme nous, quelque part ailleurs, et qu'en se réunissant, on progresse plus vite tous ensemble, en fait. Exactement. Et moi, ça me fait progresser aussi beaucoup. Et là, j'espère avoir d'autres invités pour les prochaines séances CFLIX. J'ai quelques idées. Ben, très bien. Ben, écoute, Caroni, je te remercie beaucoup. Et aussi, ça permet de mélanger toutes les techniques. De ne pas rester, oui, mais moi, je fais du Parelli. Non, mais de Lion, c'est mieux. C'est de prendre... De prendre ce qui marche, ce qui nous convient, ce qui nous parle, et de mélanger tout ça. Et puis finalement, c'est ce que souvent, dans n'importe quel domaine, les gens arrivent avec leur nouvelle méthode. C'est parce qu'ils apportent ce que eux sont allés chercher et ce qui marche pour eux. Donc, c'est exactement ça. C'est ça. Et j'essaye d'apporter différentes méthodes pour que chacun puisse choisir celle qui lui convient le mieux et qui est mieux adaptée à son cas particulier et puis à son cheval. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de connaître toutes les méthodes parce qu'en changeant de conditions de travail, de cheval, d'endroit, d'objectif, on va avoir besoin d'une méthode ou d'une autre. Il n'y a pas de méthode foncièrement bonne ou des méthodes foncièrement mauvaises. Il existe des méthodes et elles peuvent être applicables à certains moments, à certaines circonstances. Il y en a d'autres avec lesquelles on se sent bien, puis il y en a avec lesquelles on n'accroche pas du tout. Ouais, exactement. Donc, ou alors pas tout de suite. Par exemple, moi, j'accrochais pas avec la méditation pendant très longtemps. Et puis, maintenant, je m'y suis fait. Mais c'est pas encore quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je m'en sers comme d'un outil. Moi, c'était le clicker. Ça me parlait pas du tout pour les chevaux. Autant, j'ai vu que pour mes chiens, ça marchait super bien, super vite, mais ce sont des prédateurs. Et comme les chevaux sont dans le silence, ça me parlait pas, mais en fait ça marche aussi. Donc, ça m'a débloqué des situations. Le clicker, c'est la précision. L'intérêt du clicker, c'est la précision. Et c'est ça qu'on peut avoir en plus. Il y a des inconvénients, mais il y a cet intérêt de précision exacte dont le cheval a besoin pour comprendre. Après, une fois que le cheval a compris, on n'en a plus besoin. Ouais. On peut s'en passer, mais pour faire comprendre un exercice difficile, le clicker, il n'y a pas mieux, parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'émotion dedans, et surtout, il y a un timing qui n'est pas forcément facile d'ailleurs à respecter, mais il y a un timing précis qui permet de, si on sait bien cliquer au bon moment, le cheval comprend. Il comprend, si on attend trop, c'est fini, il va faire plusieurs gestes et il ne saura pas lequel était le bon. Avec le clicker, on va pouvoir cibler ça. C'est ça la force du clicker. Après, il faut pas s'en servir parce qu'on sait pas faire autrement, parce que sinon, ça enlève tout l'intérêt. Ben écoute, merci beaucoup Caroline de ton témoignage. Et puis, je t'en prie. J'espère que ça va aider d'autres personnes à venir nous rejoindre, qu'on sera de plus en plus nombreux dans cette mouvance d'une équitation respectueuse des chevaux et des cavaliers, ce qui est loin d'être le cas partout. Et donc, on a du travail à faire pour faire connaître ces méthodes-là. Et donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et on se retrouve dans ces FLIX très prochainement. Voilà. Oui, merci. Et moi, je te remercie pour la stimulation et la création de cette communauté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.